Et coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle partie du guide sur Elden Ring. Dans le dernier épisode, on avait terminé le manoir de Caria. On venait d'en sortir d'ailleurs, on venait de déboucher au niveau des trois sœurs. On n'avait rien fait de plus. Et là, vite fait, avant d'avancer vers les trois sœurs et de voir ce qui s'y trouve, parce que je rappelle que à la base, si on allait sur le manoir de Caria, bah, c'est déjà parce que c'était la dernière zone dans le coin. Mais aussi parce qu'il y a Rogier. Mais ça parlait de Rani, qui était probablement dans le manoir de Caria. On l'a pas trouvé dans le manoir de Caria, mais du coup elle doit être pas loin. On suppose, elle doit être dans le coin, donc on va fouiller les environs. Ah bah tiens, il y a aussi un gros chaton ici là-bas, qu'on verra dans le prochain épisode. On va déjà commencer par le plus important, la peinture. Alors je vous ai dit à la fin du dernier épisode, si vous voulez chercher par vous-même, bah, je vous invite à le faire. On va voir la réponse maintenant pour la peinture de la zone. Alors c'est pas ultra important les peintures, hein, c'est pas considéré comme des items légendaires. C'est pas des quêtes, hein, c'est juste quelques objets avec un peu de lore décrit dessus. Mais le lore c'est important donc voilà, on va voir vite fait où aller. C'est effectivement par-delà le manoir de Caria. Faites pour ramasser quelques objets en passant. Il y a des choses à fouiller hein, dans cette zone. Là j'y vais juste en ligne droite. Et elle est où l'académie? Elle est là. Alors il y a un peu de brouillard mais on voit effectivement... Ah on voit pas du tout en fait. Ouais, il y a carrément trop de brouillard, on voit pas du tout. Mais normalement quand on se rapproche on voit qu'on est dans un cimetière déjà. Comme sur le tableau et qu'il y a l'arbre à la droite. Mais là vous voyez pas parce que l'arbre il est là. L'académie est là. Et vu qu'on est de ce point de vue là, on voit l'arbre à droite de l'académie, sauf que vu qu'il y a du brouillard, on voit rien. Mais c'était bien ici qu'est la peinture. Et mon shop donc. Deux items à lire ainsi qu'une larme larvaire qui sert à respé. Est-ce qu'on n'irait pas lire les deux items? Si. Ça donnera un petit peu plus de... Mais je t'avais pas vu, Billy. Mais enfin! Hop! Voilà. On a un peu plus de substance quand on fera le boss de la zone. Mais enfin! Mais laissez-moi lire mon item tranquille! Putain, mais il y a tous les morts vivants du coin qui m'agressent. C'est dingue cette histoire. Jamais tranquille, hein. Téléporté par les jeunes étudiants ayant fait le choix de renaître grâce à l'œuvre d'ambre de la reine Rhenala, maîtresse de l'académie de Raya Lucaria. Or, leur renaissance étant tachée d'imperfections, ils répétèrent sans fin le processus jusqu'à y développer une dépendance totale. À leurs yeux, la renaissance est aussi naturelle que le sommeil, et à chaque éveil, leur souvenir s'estompe un peu plus. Ah ouais, c'est pas Jojo, quoi. Non, c'est pas Jojo, ça nous prend un peu plus de choses. Nous avons un peu plus de choses sur Rhenala. Donc il y a d'autres choses hein, dans le coin, je vous inviterai à fouiller si vous le voulez. Ici aussi d'ailleurs, je sais pas si on était allé ou pas. Je me souviens pas. Est-ce qu'on l'avait fait dans le guide? Je crois pas me souvenir de l'avoir fait. Hein. D'ailleurs c'est pas tout à fait par là. Le trompe de... Voilà c'est au niveau de la flotte. On voit pas de flotte. Voilà là on voit de la flotte. Peut-être qu'il y avait un scarabée qui court dans la flotte. Qui donne une cendre de guerre qui peut être intéressante. Si voilà il l'a. On avait déjà affronté un. Comme ça. Celui-là vous pouvez y aller. Hein, il vous suffit juste d'aller par le château. La grande porte du manoir on descend. Et hop on peut aller sur le scarabée. On peut aller l'affronter. Enfin l'affronter. On peut aller lui mettre un petit coup dans l'eau pour le finir. Ça donne la même cendre de guerre que celle disponible sur la hachette. Alors ensuite, on va aller à la tour du prosélyte. Voilà. On n'a pas encore ce qu'il faut pour résoudre l'énigme. Mais il y avait un donjon là-bas que je voulais vous montrer. Alors il n'est pas indispensable pour le succès. Il n'est pas indispensable pour les quêtes.
ni pour les objets qu'il propose, mais parce qu'il contient d'autres mécaniques. Alors attendez, que je le trouve par contre. Je sais qu'il est dans le coin. Ah, il est là-bas. On voit les tombes là en contrebas. Il doit y avoir un passage quelque part par là. On va longer sur la gauche. Jusqu'à avoir une statue de donjon, hein, globalement. En fait, bref, il inclut des nouvelles mécaniques. On a très rapidement vu, mais lui, il les exploite à fond. Et ça permettra de vous préparer si jamais vous trouvez d'autres donjons du même genre dans votre exploration. Il y en a quelques-uns. J'aurais pas dire le nombre précis, mais il y en a quelques-uns. Voilà, la statue est en bas, donc c'est bien par là qu'il faut aller. Et je peux pas descendre par là, je suis obligé de faire le grand tour. Ah bah super! On aurait peut-être pu stepper là-dedans. Hein. Plus simple. Voilà. Plus simple en passant par là. Hop. Donc, on va devoir la petite statue. Alors, les méduses, toujours, hein. Les méduses qui montrent toujours un petit truc, un point d'intérêt ou quoi. Vous voyez, il y a les deux méduses qui sont sur le chemin. Et il y a la statue qui montre aussi. Dans 70 à 80% des cas, les méduses, elles montrent un chemin ou un objet utile. Genre, vraiment. Je trouve ça fou. Ah bah, il y a un objet sur le chemin. Incroyable. Danse des lames. Très bien, très bien. Ah, les chauves-souris. J'aime pas les chauves-souris ici. Personne n'aime les chauves-souris. J'ai pas de sort à distance. Vivement que je trouve un arc force. Ou un spell assez maniable avec peu de foi. Vivement. Zouzouzou. Alors, n'oublions pas cet objet. Voilà. Allez. Catacombe numéro 36522. On est parti. Catacombe de l'impasse. Ah, c'est rigolo ce nom. Eh, pourquoi c'est rigolo, hein? Eh bah. Est-ce qu'on affronte des squelettes ou des. Ouais, ça fait quasiment pas de lumière. Une petite flamme rouge sur mon épaule et c'est tout. Oui, d'accord. Très bien. Bonjour. Avance encore un peu. Et là. Et là, on voit un mec qui te poignardera. Ouais, non, lâche. Et dire surtout. Bon, tu. Qu'est-ce que je déteste ces... Mais... Qu'est-ce que je déteste ces saloperies? Je dis surtout là, on voit le levier. Dès le début, comme ça, en mode vas-y c'est bon, tu peux y aller. Déjà c'est louche. L'heure de porte semble provenir derrière ce mur, a priori. Ok. On va descendre. Passe les quelques fleurs. Encore une saloperie là. Putain, qu'est-ce que je dis? Mais arrêtez de. Très pénible. Là, il y a un piège, on fait attention. Ah! J'ai tous me les prendre, c'est pas possible. Mais enfin! Alors, c'est injuste, puis quand il marche dessus, il active pas le piège. Voilà. Et là, on arrive là, il n'y a plus rien. Alors. Vous dites oui, bon, d'accord. On a trouvé la manette, on a trouvé le catacombe de l'impasse. On nous a déjà pas prévenu pour les murs invisibles. C'est vrai que là, le chemin s'arrête alors que ça continue. Bon, il y a quand même de grandes chances que ce soit un mur invisible. Enfin, un mur illusoire. Effectivement. Tu as été assez obvious, je vous l'accorde. Sauf que généralement.
Et j'insiste sur généralement, c'est pas le cas à chaque fois. Mais dans les catacombes, ou dans les grottes, les donjons, peu importe, où il y a un mur invisible assez obvious, ça sous-entend que l'intégralité du donjon fonctionne avec ce même concept. Donc là, il y a un mur invisible dans le donjon. Ça veut dire qu'il y en a probablement plein d'autres, et que j'insiste sur plein, et que c'est comme ça qu'est basé le donjon. C'est un petit peu la thématique du donjon. Et vous allez me dire, ouais, mais le donjon du dernier coup, il y avait un mur illusoire, et pourtant, il n'y en avait qu'un. Ouais, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, parce que c'était lié à une quête. Donc on va essayer, on va regarder. Alors par exemple, là non. J'ai pas remarqué qu'il y avait un seul mur invisible avec une torche accrochée dessus, donc généralement c'est des murs qui sont nus. Là on peut avancer. Ah, là oui, il y a des mobs derrière. Alors j'ai voulu cibler le mob, ça m'a fait faire demi-tour. Non mais c'est normal, pas de problème. Il est emmêlé dans le cadavre de son pote. Je crois qu'ils étaient encore deux. Ok, on peut ramasser ça, ainsi que la crosse du chevalier. On va lire. Encore. Ouais, ouais, c'est bon, on lit. Ouais. Eh ben, j'espère bien. Et si vous vous arrêtez ici, vous pouvez écouter un peu. On entend comme quelque chose, comme quelqu'un qui traînerait un objet en fait derrière les murs. D'où l'intérêt de jouer avec le son. Tout à l'heure, on a entendu la porte qui avait l'air de résonner derrière le mur. Et là, on entend quelqu'un qui traîne un objet. Et effectivement... Putain, mais je refais la même connerie que tout à l'heure. Je veux le cibler et ça me le cible pas. Voilà. On voit qu'effectivement, il y a un mur invisible. Alors ici, c'en est pas un. Là, non plus. Là, oui. Là non plus. Et là non plus. Alors, les roulades marchent. Arc runique. Alors là, par exemple, il y a une torche, donc on va se dire que non. Là, on tente. Là, torche. Là, on peut tenter. Que dalle. De toute façon, il y a une porte juste ici, donc on va aller emprunter. Là. Résine de racine, très bien. Mais un mur au fond, donc roulade. Ici, un petit muguet qu'on va ramasser. Encore un mur au fond, donc roulade. Et là, hop, on tombe sur la porte du donjon qui était effectivement derrière les murs. Donc, ça, c'est les thématiques de donjon un petit peu fourbes. Alors, pour celui-là, c'est évident parce que ça veut servir d'exemple. En gros, pour vous dire, faites gaffe, il y a des murs illusoires dans le jeu, tenez-vous prêt. Globalement, dites-vous que tous les catacombes des deux premières zones, ça vous apprend plus ou moins comment fonctionnent les catacombes, et à chaque fois, ça rajoute des mécaniques un petit peu plus compliquées, un petit peu plus subtiles. Et à chaque fois, on part sur des trucs... Un peu plus complexe. Et dans les dernières zones du jeu, le level design des donjons est juste complètement fou. Alors, on va faire ceci. Hop. Ensuite, je vais prendre une potion de soin, enfin une potion de mana, une potion comme ça. Escargot. Ah. Escargot vent d'esprit, ok. Alors, dans la même thématique, vous voyez que ça, c'est pas du tout un escargot. En fait, escargot, on voit une petite lumière ici. C'est un mob qui se TP, il faut trouver la petite lumière. Genre là-bas, là, on voit qu'elle est juste là. Alors, c'est pas forcément aux endroits où moi je la verrais, hein. Là-bas, encore, il est revenu là-bas. Hop. Voilà. Tuer le fantôme, le fantôme au fond ne servira à rien. Il le réinvoquera et ça ne changera strictement rien. Donc globalement, voilà. On a eu une petite explication. Donc des ennemis invisibles, des boss potentiellement invisibles, les murs illusoires, tout ça... On le découvre dans ce catacombe, donc vous intégrez la mécanique et puis vous préparez à éventuellement devoir vous en servir un jour, ou pas. Ça dépend, mais il faut le garder dans un coin de votre tête. Alors ensuite, donc là c'est autre chose que j'avais oublié, mais qui était c'est bien plus important qu'une simple mécanique. Je vais aller à l'île panoramique.
Voilà, je vais level up parce que. Parce que. Je peux level up, donc on va level up. On va mettre un point en force, un point en vita. Un point en vita, vas-y. Hop. On va retourner dans une zone où on est déjà allé. Ça, on va enlever. Voilà. On va retourner dans une zone où on était déjà allé. Et je lui avais dit, bah vous pouvez aller par là si vous voulez, moi je le ferai pas. Bah en fait si, parce que c'est vrai qu'en soi l'objet est pas ultra important pour avancer dans le jeu, mais il fait partie des objets qui sont nécessaires pour le succès. Donc si vous comptez obtenir le platine, bah vous serez obligé de ramasser cet objet. Voilà. Et vu que je ne check pas forcément directement les objets nécessaires pour les platines, j'ai pas percuté tout de suite. Alors il faut qu'on aille vers là-bas. Ça s'adresse évidemment à toutes les personnes qui ne m'ont pas écouté quand j'ai dit vous pouvez explorer si vous voulez et qui n'en avaient rien à foutre. Bah maintenant vous serez quand même obligé d'y aller. Pour les autres, bah forcément il n'y aura pas vraiment de surprise. Donc une forêt avec pas mal de petits pièges. Hop, hein. De petits pièges. Par petits pièges j'entends des gobelins qui veulent nous... vous exterminer. Il y a un petit souffle d'air chaud ici. Voilà, on avance, on avance. Et c'est juste ici une cellule, une geôle éternelle. Ah, ils m'ont suivi loin les salauds avec leur brume là. Allez-y. Et je pense que là, on va pouvoir affronter le boss que je considère être le plus facile du jeu. Mais genre de très loin. Le voleur de feu. Voilà. On va juste regarder combien il nous tape pour voir. Bon, il tape quand même un peu, il tape quand même un peu. Et regardez, il est tellement lent. Il marche. Il marche. Oh là là. C'est vraiment... Bon. Voilà quoi. Il gagne du coup un miracle légendaire, flamme du dieu cruel. Que je trouve vraiment pas ouf en vrai. Ça sonne bien. Ça sonne bien, mais le coût en mana est énorme, les dégâts sont pas ouf, le temps d'incantation est incroyablement long. Enfin, c'est vraiment, c'est le seul, enfin c'est pas le seul miracle légendaire, il y en a d'autres, mais c'est un des rares miracles légendaires et je le trouve vraiment nul. Donc voilà, vu qu'il est nécessaire pour les succès, on va quand même le ramasser. Et de toute façon, d'un point de vue lore, c'est très très bien, encore une fois. Arganti, le chef des gardiens de la flamme, avait fait en sorte de dissimuler cette incantation, la gardant secrète jusqu'à ce qu'Adan la dérobe. Depuis, ce dieu rôderait toujours parmi les géants de feu. Ok. Alors, globalement, on a fait les principales choses que je voulais faire, hein, qui permettaient de rattraper un petit peu les erreurs passées. Je vais en profiter parce qu'on... On est qu'à 19 minutes, on a encore un petit peu le temps pour améliorer éventuellement mes armes, mes sauts et tout le bordel. Je voulais regarder ça. Je pourrais presque envoyer des boules de feu, des trucs comme ça, mais vu que ça se cale sur la foi principalement, je suis pas sûr. Par contre, le truc électrique là, le truc électrique me dit bien et le truc divin aussi me dit bien. Parce que même si je fais pas de dégâts, ça peut être utile. Vous voyez, il faut 13 et 13. 13 de fois et 13 d'intel. Ça me branche bien, ça. Ça me branche ultra bien. Plus tard, quand on ira au SP, on virera les 3 ésotérismes. Bon, ça me demandera un peu plus d'intel et un peu plus de fois, mais... donc là je peux pas mettre. Par contre je peux améliorer cette épée, je peux améliorer ce saut.
où j'achète des choses, des pierres de forge 2. Vas-y, j'ai pas. J'ai plus assez de runes, on va en utiliser quelques-unes. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bonjour. Je suis re-ruiné. Ah, ça va vite, hein. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Améliorer ses armes et tout le bordel. Bon, 3000, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Back already, no matter. Et on passerait à C en lettres. Sauf que du coup ça demandait des pierres de forge 3 et je peux plus améliorer mon espadon. Zut. Je peux pas juste regarder. Non, je vais pas lancer de sort non plus là. Si je peux. Toujours plus 41. Et en centre de guerre, je vais regarder un peu aussi. Rapidos. Ou danse de l'âme, tiens. Parce que c'est danse de l'âme. Oui, vers l'avant, effectuer une série d'attaques tournant ascendante. Je n'ai qu'une autre attaque pour conclure avec une frappe de taille vers le bas. On va laisser les phalanges de la mécla. En fait, c'est les phalanges de la mécla. Ça fait vraiment pas de dégâts, mais je trouve que le stun, la capacité de stun est juste ouf. Elle est juste ouf. Bon. Donc ça c'est fait, je réfléchis si j'ai pas d'autres trucs que je pourrais faire rapidos. Ok, si j'ai une idée, voilà ce qu'on va faire, ça fait un moment que je l'ai pas fait. On peut aller rapporter les sorts qui nous manquent à Selene. Là c'est vraiment des petits détails que ça fait un moment que je dois faire mais que je trouve jamais le temps. On en profite. Je vais donner le parchemin. Alors notez que Selene débloque des nouveaux dialogues si jamais on lui achète des spells en fait. Donc vous pouvez potentiellement acheter des spells pour avoir quelques options de dialogue. On va essayer vite fait. Vas-y, voir si ça marche avec celle-là. Non, bon bah tant pis, on est ruiné pour rien. C'est pas grave. c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là en vrai. On va retourner quand même au manoir de Caria. Repartir sur des bonnes bases pour la prochaine fois. Voilà. Et puis, bah, moi je vais vous laisser là. Pour ce petit épisode de rattrapage dans la zone avec toutes les petites choses qu'on avait oubliées qui étaient quand même assez importantes, je trouve. Si cet épisode vous a été utile, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo. Ça m'aide énormément. Si vous avez des questions, posez-les, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Twitter, mon compte Twitch. Je stream Elden Ring tous les soirs en ce moment, donc venez faire un petit coucou. Me rejoindre sur mon serveur Discord, tous les liens sont dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Allez, salut.